Eh bien, très chers amis, j'aimerais aujourd'hui avec vous partager une histoire qui m'a interpellé d'un homme vivant en Israël et qui avait un enfant. Cet enfant a commencé à ne pas se sentir bien. Vous savez, au début, ils se sont occupés de lui comme un malade normal. Mais voyant que l'enfant, son état de santé commençait à se dégrader, les parents ont dû faire des recherches un petit peu plus sérieuses. Et c'est le professeur en chef de l'hôpital qui est venu les voir et qui leur a dit « Je veux malheureusement vous annoncer que votre fils est atteint d'une maladie très grave et qu'il doit, dans les 24 heures, subir une opération très 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 lourde. » Et c'est ce qui se passe. L'enfant est pris immédiatement en hôpital, il est préparé pour l'opération et le professeur vient de nouveau s'adresser aux parents et leur dit « Avant d'opérer votre fils, il va falloir me signer une décharge. L'opération que je vais pratiquer sur votre enfant a malheureusement de très grands risques. J'aimerais que vous signiez sur la décharge et je vous passe les détails de cette décharge où il était écrit tout ce que malheureusement l'enfant pouvait subir. » Et donc quand on vient faire signer le père a une réflexion tout à fait surprenante. Il dit au professeur, j'aimerais avant de signer moi-même sur cette décharge, vous demander à votre tour de signer également un papier. Le professeur est interpellé, il lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous signe? Vous êtes dans un hôpital, je suis déjà couvert de mes responsabilités. Il lui a dit, vous ne savez pas de quoi je vais vous parler. J'aimerais que vous me signiez un papier, que si l'opération se passe bien, que vous seriez prêt à dire, vous vous engagez à dire que ce n'est pas vous qui avez réussi l'opération. C'est Dieu qui vous a guidé dans cette opération. Vous n'êtes pas le vainqueur de cette opération. Eh bien, très chers amis, cette anecdote nous montre que très souvent, on s'adresse à Dieu quand on a des problèmes. On s'adresse à Dieu quand, dans notre famille, il y a des problèmes. On s'adresse à Dieu finalement quand tout ne va pas. Mais avons-nous la même conviction de nous adresser à Dieu quand finalement Dieu pourvoit nos besoins, nous fait réussir, nous envoie des petites victoires? C'est peut-être ça l'idée que nous devons avoir en tête en cette veille de Rosh Hashanah. Dire à Dieu, mon Dieu, merci. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour le logement que j'ai. Merci pour finalement les problèmes de santé que je n'ai pas. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Pensez en cette veille de Rosh Hashanah et tout au long des prières de Rosh Hashanah qui débuteront ce dimanche à dire merci à Dieu plutôt qu'à rouspéter de ce qu'on n'a pas. Et c'est peut-être avec cet état d'esprit. Tov leodot lecha Hashem. Il est bon de te remercier Hashem. Pourquoi est-ce qu'il est bon de te remercier Hashem? Parce que quand quelqu'un se met à remercier Hashem et pas à se plaindre de ce qu'il n'a pas, Dieu, comme tout autre père qui saurait encourager des remerciements de ses enfants, sera prêt à lui déverser beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénédictions. C'est ce que je vous souhaite en cette veille de Rosh Hashanah. Et je vous dis encore peut-être à très bientôt, même avant Rosh Hashanah, pour encore quelques idées sur ce grand moment, sur ce grand rendez-vous qui nous attendait ce dimanche. À très bientôt pour un nouveau selfie.